In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. Hey! My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them, too. Every last one of those bastards. Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Max Payne 3, épisode 17. Aujourd'hui les amis, retour avec Max Payne pour, normalement je pense, le dernier épisode, ou tout du moins l'avant-dernier. Nous sommes sur le dernier chapitre, chapitre 14, c'est le règlement de compte, le règlement final. Les Brancos vont payer l'addition, on est parti pour dézinguer tout ce qui bouge. Mais avant ça, je voudrais vous remercier tous pour les nombreux commentaires que j'ai reçus, les nombreux soutiens, les nombreux likes, les nombreuses vues sur chaque vidéo, c'est juste incroyable. Merci énormément, notamment eh bien, à Kiwi, Colin et Scorpion sur les 3 premiers épisodes, car oui, au moment où je tourne cet épisode, seulement les 3 premiers sont sortis. Alors je m'excuse d'avance si je ne remercie pas ceux qui laissent des commentaires juste après, mais je pense également à Fritz par exemple, qui laisse un petit commentaire régulièrement, et puis à tous les autres que j'oublierai, j'en suis désolé, mais je sais que vous savez que je pense fort à vous. Merci pour tout le soutien. J'en profite pour vous demander de bombarder de likes cette dernière vidéo. N'hésitez pas donc à lâcher le petit commentaire hein, pour fêter la fin de ce let's play. Et également eh bien, à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo tout simplement. Merci les amis, c'est parti. On est là pour terminer ce jeu. Quel passage de merde! Quel passage de merde! Je m'y reprends à je sais pas combien de reprises là. Malheureusement, je ne peux rien à faire ici. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Putain! Ok, ça y est, j'ai plus de munitions, c'est génial. Je sais pas où est-ce qu'il est. J'étais allé chercher les munitions, j'étais à sec, hein. J'étais complètement à sec. Cassons-nous par ici. Ok, je pense qu'il va... Non. J'avais des munes là. Qu'est-ce que tu me dis? Ok, ça y est. Ah, va te faire foutre. Faut absolument que je me cache.
Oh, regarde-moi ça, c'est chaud. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. On se fait démonter, hein, vraiment. Oh, mais c'est moi aussi, je suis nul, hein. Je suis nul. Oh là 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 là, quel scandale ce début d'épisode. C'est compliqué, hein. Vraiment, 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 je galère, hein. Putain, mais... Ok, cette fois-ci, c'est bon. Oh là là. Je vous jure, c'est vraiment l'enfer. Hein. C'est réellement l'enfer, ce truc. Hein. Bon, je pense qu'il faut que j'aille dans ce coin-là. Pour commencer, on va se chercher cette petite pièce-là. Là, il n'y avait rien à récupérer, on est bien d'accord. On va faire le tour, hein. On va faire le tour. Ça, il faut que je le garde. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. On s'est retrouvé un soin, c'est tant mieux. Rien ici. Visée laser. Vous m'emmerdez avec cette visée laser. Oh! Oh, la petite pièce! La petite pièce que je n'avais pas vue. Je ne l'avais réellement pas vue. Et ben, c'est une chance. C'est une chance de tomber dessus. Bon, bah, ça fait déjà deux. C'est très bien. Continuons. En fait, non, je veux pas. En fait, très clairement, je veux pas. C'est trop pourri comme arme. Allez, ça, la première scène s'est passée, enfin. Heading home with a sunburn, a bag full of duty free and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Okay. Ça c'est fait. J'attends le prochain qui va sortir sa tête. C'est pas mal cette petite arme par contre, hein. Ouh, ça je prends. Enfin quelque chose d'intéressant. Enfin quelque chose d'intéressant. Rien à récupérer dans ce bureau là. Caraya. Rien à récupérer, on dirait, hein. Tant pis. C'est complètement... C'est complètement foiré, Max. Là, je ne peux pas. Moins un. Vas-y, montre-toi. Allez, hop, ça dégage. Il y a une petite salle derrière. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. OK. This was the back office. They'd be on their way to the nearby lounge. On va rester sur cette Attendez. Parce que si je prends ça et que je mets ces deux-là comme ça, c'est pas mal, non? Ouais, ouais, ça le fait. On va rester là-dessus. Putain, je sais pas dans quel sens faut aller là. Certainement pas ici. Regardons s'il y a quelque chose derrière. Ah, des toilettes. Oh. Ah. Est-ce que ce serait pas l'indice? Incroyable.
J'ai bien fait de prendre l'autre. J'aime beaucoup avoir cet indice-là. Parce qu'on l'a vu deux fois déjà, ce gars-là. Je suis content d'avoir vu cet indice. Vraiment, c'est super. En plus, on vient de déverrouiller deux succès. Et au passage, une pièce d'arme pour la première arme, c'est impeccable. Là, on est bon, hein. Il n'y a plus d'indice à trouver normalement. Et il manque juste 3 pièces d'armes à aller chercher. Donc, on va y aller de suite. Hein. Ah putain, je suis content de l'avoir vu. C'est quoi ? Je trouve que c'est un très très bon choix d'indice. Un peu comme une sorte d'easter egg au sein même du jeu, quoi. Le gars, on le voit. Allez, on va se faire toutes les chiottes. On sait jamais qu'il y a une pièce d'arme ou pas. Oh, attendez. Méfions-nous de ce genre de choses. Je ne peux pas passer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne peux pas passer. Ok, très bien. Soit. Ici, il n'y a rien à faire. À part. This wasn't the kind of place where you waited to board a private jet. Victor and Becker were out in the departure lounge somewhere. There were Ufe all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment. But one I didn't need. Alors, il va vite falloir que t'attrapes ça parce que... Je me suis pas fait celui que je voulais. Cette petite arme est sympa. Cette petite arme est très sympa. Montre-toi. Par contre, on va rapidement être à court de munitions. On va essayer de se rapprocher un peu. Très sympa aussi le terminal évolué dans l'aéroport comme ça là, c'est cool. Putain, il va falloir de l'ami là. Il va falloir de la munition là. Est-ce qu'on passerait pas de ce côté là du coup? Je me suis concentré, mais... Putain, c'est compliqué. Ok, lui, c'est le casque en moins. Ça va qu'ils ont du mal à me toucher. À la distance où ils sont. Attendez. J'avais cru y voir une caisse d'armes, mais non. Touché, mais pas coulé. Montre ta tête, enfoiré! Ok, lui c'est fait. Putain, il me saoule. Il me force à utiliser mes munes. Ça me saoule. Ok. Voilà. Oh mon micro, on se calme. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Comme ils disent. Ah, un peu de munition. Oh là là, la musique. Faut se détendre sur la musique, hein. Ok, ça passe pas par-dessus, c'est très bien. On check, pas de pièces d'armes. Oh! Il y avait un joueur. Ok. On continue à fouiller, hein. Sait-on jamais. Rien ici. Fallait quand même vérifier.
Ok. Ça, ça dégage. Ça dégage aussi. On se rapproche, hein, on se rapproche de la fin. Je crois que je vois une pièce d'arme. Hein. Je crois que je vois une pièce d'arme. J'ai bien fait d'aller chercher. Elle est là. Allez hop. Mais ce serait bien de se calmer légèrement sur la musique. Hein, sur, c'est bien, on sait qu'on va arriver à la fin. Il n'y a pas de problème. Hein, mais calmons-nous. Hein. C'était toi. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Ça va que je peux tirer de loin avec ça. Ok. Lui, il va la prendre. I'd rather not be blown up today. Mais ça balance des grenades là. Sans aucune forme de pitié. Je ne sais pas par où il faut aller. J'ai très peur de déclencher une cinématique alors qu'il ne faudrait pas. Here. I had to keep moving down through the airport. Ici on n'a rien. Ici non plus. On dirait que j'ai quand même sécurisé l'aéroport là. Donc j'aurais fait le tour au moins. J'aurais fait le tour de cette pièce là. Effectivement, ils ont bien vidé l'aéroport. Hein. Alors, pas de pièce d'arme ici. Pas de pièce d'arme de ce côté. On continue à fouiller évidemment. Je ne veux pas passer à côté d'une pièce. Au moins, on a trouvé l'indice. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Eh, regardez. C'est parfait, ça. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, et c'est une bonne chose. There weren't any other flights clogging up air traffic control. Victor would be clear for takeoff as soon as he was ready. Ok, ok. Chances were, I wasn't gonna be alive much longer. Alors, je pense qu'il va falloir ouvrir ça. Il ne manque plus qu'une pièce d'arme. Ok. C'était important de leur péter la gueule. On a récupéré ici. Méfions-nous. Putain, il m'a bien mise, mais un foiré. Hein. Néanmoins, il nous a buté. Par contre, il file bien des soins là, j'ai l'impression. On va se battre contre quoi à la fin? Un hélico? Bien possible hein, ce genre de choses, hein. Ça m'étonnerait même pas d'ailleurs. Toujours pas de pièces d'armes qui traînent ici. Quoi? J'ai cru qu'il l'avait pas enregistré mon kill. Ne vous foutez pas de ma gueule non plus hein. Alors là, je vous fais le pari, on descend, on se fait dégommer, c'est sûr. Oh, le métro. Tiens donc. C'est quand ils lui sortent. Putain, je les vois pas. Trop sympa. Trop sympa. Ah, je ne m'y attendais pas, j'ai pris je sais pas combien de balles pour être comme ça. Finis-le, cet enfoiré. Ah,
Voilà. On arrête un peu les bêtises. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. On va fouiller le tram alors. Je verrai bien la pièce. Je verrai bien la pièce de qui nous manque dans le tram. Ça ne m'étonnerait pas, ce genre de choses. Donc on fouille. Mais ce n'est pas là. If I was going to be able to turn the power on anywhere, it'd be in the office. Il y avait rien ici, rien de ce côté-là. On a 4 soins, ça devrait pouvoir suffire. J'espère. J'espère que ça devrait pouvoir suffire. Un peu de munitions, ça peut toujours faire plaisir. Un peu de soins, par contre. Airports always made me nervous. Allez. On rétablit le courant. It worked. The trams were running again. Et on va prendre le tram. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Ça dégage. Mais ils sortaient d'où? Oh là là, ils arrivaient par derrière, au calme. Ouais, mais... Non, mais attendez, c'est arrivé de tous les côtés, là. Vous êtes sérieux, que c'est un peu, ou bien... Et puis d'abord, comment ils ont fait pour venir d'ici, là? J'avais tué tout le monde. Je vais être obligé de me refaire le tram, c'est ça? C'en est un autre qui est arrivé? Aïe, tiens, enfoiré. We were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station. J'ai pas eu le temps de fouiller and met more murderous assholes. J'espère que je suis pas dedans. Oh là! Son of a bitch! Didn't work out like that. Of course, ça va être sympa, ça. Tram full of goons trying to derail me. Charge. Ok. On peut le rattraper. Ok, ça c'est fait. Ah, l'hélico. Vous le sentiez, l'hélico? Bah moi je le sentais, j'en étais sûr, c'est souvent qu'il y a des trucs comme ça. En plus il y a des gros méchants, bien costauds, bien comme il faut. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Bon, on va tirer dans le tas, hein. On sait pas d'où ça vient. Voilà, ça dégage. Putain, je suis dégoûté de pas avoir fouillé l'autre train là. Ça dégage aussi. Allez hop. Oh là là, le massacre dans le tram quoi. Incroyable. Et j'avoue, la scène est sympa. Hein. Ah, c'est pas bon ça. Oh là là, incroyable! 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 Quelle scène! Énorme! The tram was slowing down. Ah cool! And I'd only just gotten on board. Attends. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. Attends, avant de descendre, je dois fouiller le train. Donc attends, parce que c'est celui qui était, c'est celui que j'étais censé fouiller, hein. Mais regardez-moi ça. Et voilà, elle est là. Bon, on est bon là. Là, on est bon, on a tout déverrouillé. On a même déverrouillé un succès, un permis de tuer. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close.
The smart move would have been sticking with Da Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey, Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face. Yeah. Let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much Branco. Else. On y arrive. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. Ça, c'est clair. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. Ça va se finir dans l'avion, hein, c'est there sûr. There the bastards bah, were, non. Sneaking off in their rich kid's toy. Ça va se finir dans l'avion. Oh putain. Oh, le lance-grenade. Oh, le lance-grenade et le bouclier, genre. Tu m'expliques comment je le bute, lui? Tu m'expliques comment je le bute, lui? Non, mais là, c'est fou, là. Y'en a trop! Arrêtez! C'est abusé! Y'en a beaucoup trop! Ah, bâtard, putain, je l'ai fait trop tard! Dépêche! Dépêche! Mais non. Mais non, mais sérieux. Sérieux, ça? C'est sérieux, ça? On a vaincu Becker, pas de problème. This was it. It was almost over. Mais c'est Branco qu'il faut buter, non? So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. Je pense que tu and peux these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging vrai, my sister. En vrai, on peut l'épargner, hein. J'ai l'impression. Hein. Ah, ça m'a fait même gagner un défi, vous voyez? Pas mal. Ah, voilà, mais là, voilà la dernière scène finale, je pense. Avec lance-grenade, mais oui! On y est, là! We had one card left to play. C'est ça qu'on veut! Alors, c'est sur quoi qu'il faut tirer, là? Sur eux? Ah, ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup, hein. Par contre, c'est très sympa. Ça bouge un peu trop. C'est pas facile de...
c'est pas très facile de... Voilà. En vrai, pour reviser ça, mais qu'il voulait faire... Ah, là, j'ai touché, là. Ok. Ok, je suis quasiment mort. Putain. J'arrive pas à le... Ah, c'est bon. Lui, je l'ai buté. Ça dégage. Ah. Ah! Je pense que je vais sauter dans l'avion là. Your career's coming down with that plane. Let's get it over with. Touché. Touché. Et voilà. Je l'ai défoncé. Et on va pouvoir achever Branko, je pense. Sans aucune autre forme de pitié. Oh, lance-grenade, Max! Oh, lance-grenade! Wait, Max! Non! Pourquoi non? Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial. Il sortira! Prison! Let him suffer. Trust me. Oh, j'ai gagné un max de défis là en plus. J'ai le choix de le buter ou pas? You know I walk. You'll walk with a lift. Bah voilà. Il semblerait que ce soit l'épilogue. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Branko, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation is underway. Local residents expressed outrage, say they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol. Voilà les amis, c'est terminé! Incroyable! C'est super, on a fini sur un super épisode. C'était excellent. Merci, merci d'avoir suivi ce Let's Play avec moi. J'en ai des frissons. J'adore, j'ai kiffé ce jeu. Vraiment, je l'ai tourné en très très peu de temps. Voyez, on est actuellement, aujourd'hui même, nous sommes le 8 juillet, pour vous dire, hein. Ça veut dire que là, on est début septembre, vous voyez la fin. Toutes les vacances se sont passées, tout l'été s'est passé, et moi j'ai joué bien avant. Du coup, comme je le disais, je vous remercie tous et toutes d'avoir lâché votre commentaire, d'avoir regardé simplement toute cette série, tous ces épisodes, les uns après les autres. Merci d'avoir participé avec moi finalement. Et de m'avoir donné envie de continuer. Je suis très heureux d'avoir terminé ce Let's Play. J'y ai pris grand plaisir. Si je devais mettre un avis perso sur le jeu, je trouve que c'est un jeu qui passe très très bien. Pourquoi ? Faut pas en attendre grand chose. Et c'est en attendant pas grand chose de ce genre de jeu qu'on est bien surpris.
Les scènes de fight sont vraiment excellentes, les scènes à la Matrix également, moi franchement j'ai kiffé. Il y a des passages un peu plus durs, c'est vrai que le jeu est parfois punitif, faut l'admettre, mais c'est sympa, vraiment, moi je le conseille, j'ai pris vraiment du plaisir à le faire. Alors on n'est pas sur un 100%, un jeu à faire à 100%, hein, mais on aura au moins déverrouillé toutes les armes en or, et c'était le minimum, tous les indices, c'est le minimum également. Voilà, en tout cas, on se retrouve très très vite dans un prochain let's play, un prochain jeu qui j'espère vous plaira. Je l'ai déjà choisi, je vous en dis pas plus, ça arrivera très vite du coup. La semaine prochaine ça arrivera. Je vous souhaite également une bonne rentrée, puisque pour ceux qui reprennent l'école, les cours ou le taf, bon courage à vous. Et j'espère que ce prochain let's play va vous accompagner dans la rentrée du mieux possible. Merci encore, merci pour tous les soutiens. Encore une grosse dédicace à Kiwi, la mais Kiwi! Et bien sûr, activez la cloche, ding ding dong! Partagez et abonnez-vous. On se dit à très très vite, les amis. À ciao, bye, je vous laisse évidemment la cinématique de fin.